aucune notion de bien et de mal, donc je, pareil, le bon goût, le mauvais goût non plus, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'aime bien quand c'est un peu extravagant, j'aime bien quand c'est un peu radical, donc j'aime bien le kitsch. Ouais. Le kitsch pour moi c'est assez noble, comme, c'est un mouvement, c'est un style. On ne cherche pas à être dans le vrai, on n'est pas en quête d'authenticité, on veut absolument s'approprier tous les codes et tous les outils de cette époque-là. Se l'approprier pour le rendre encore plus vivant aujourd'hui, mais avec notre instinct. Tout espoir est perdu pour nous. Souvent, les metteurs en scène, ils essayent de rabaisser l'œuvre à une triste réalité, à un quotidien sordide. Je pense que les gens ne vont pas à l'opéra pour voir ce qu'ils voient à la télé, aux infos. Il y a cette notion de divertissement qui est très importante et qui est très noble.